c'est bien de nous voir en casaque, mais aussi, je pense que c'est bien de nous voir dans l'intimité. Bien sûr. Pas trop intime quand même, mais... meringue. C'est vrai? Bah, j'aime trop les deux, mais... French touch, quoi. Je préfère les talons aiguilles, mais les baskets, c'est pratique. Ah, Val d'Herbe. Ça restera mon cheval de cœur, puisque c'est avec lui que j'ai fait mes premières grandes courses. Et j'espère trouver un nouveau Val d'Herbe bientôt, mais ça restera toujours lui, mon chouchou. Ah, l'Arc. C'est la classe à Dallas, quoi. Bon, le Diane aussi, mais je vais pas faire la chiante, mais voilà, c'est... Ça m'envoie, quoi. Vaiana. C'est mon petit côté secret. J'aime trop les dessins animés Disney. Et Vaiana, elle est trop chouette, quoi. J'ai fait pas mal de danse, fut un temps, et je progressais tellement vite que, en fait, je donnais les cours débutants 1 et 2, j'étais prof, et après le soir tard, je prenais les cours niveau 3 et 4, parce que ça allait un peu vite, et j'ai eu quelques opportunités pour venir à Paris, mais les chevaux ont eu la raison de mon cœur. Longchamp. C'est resté un hippodrome de cœur pour moi, et puis c'est mythique, il y a une âme, il y a quelque chose, même si j'adore Kawasaki et qu'on va à fond, enfin, c'est complètement un autre délire, mais Longchamp. 1000 mètres ligne droite. Je suis plus 1600 mètres entre les deux, mais je préfère quand ça va vite. Billie Jean King. Elle est dingue. J'avoue que je la connais pas depuis que je suis toute petite, puisque c'est quand même une personne qui a eu son moment de gloire il y a quelques années. Je pense que j'étais pas née. Mais elle est dingue, puisque c'est la première femme qui a su dire « j'affronte les mecs, je vais vous mettre la pâtée » et il n'y a pas de homme ou femme. Ça me plaît, et je me reconnais un peu à travers son combat qui était des années. Malgré tout, on a fait des progrès, mais... On est toujours au même combat, malgré tout, et ouais, j'aime bien. Je suis pas stressée pour les courses. Ça passe ou ça casse, et puis bah, c'est les courses, hein. Je m'étire. ça va paraître stupide, mais on n'est pas beaucoup dans le vestiaire à s'étirer, et je m'étire toujours dans le même sens. Et d'ailleurs, je ferai mes camarades avec mes petites acrobaties, mais je suis raide comme un piqué. Et si je m'étire pas, je peux pas toucher mes pieds, alors je m'étire quelques minutes avant la course.